comment bien utiliser Instagram en complément de LinkedIn, en complément peut-être d'autres réseaux pour certains. Et vous aurez la joie de le faire avec Delphine Pommier. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir et une femme, jeune femme dynamique. Et puis également de voir quelles sont les nouvelles méthodes et façons de travailler aujourd'hui, et pas nécessairement liées au salariat, mais à l'entrepreneuriat. Et ça, c'est très intéressant de comment travailler en réseau et avec des outils aussi modernes et dans la, ce qu'on appelle peut-être le relationnel par les réseaux. Je pense que c'est important d'en parler. Ouais, il y a quand même une. Il y a quand même une conférence assez exceptionnelle parce que c'est une conférence dans laquelle il y a un aréopage de spécialistes du marketing de réseau quand même assez fantastique, parce qu'avec Dominique Saut, Cyril Hurstel, Jean-Michel Davot et puis notre ami Pascal Brault, plus d'ailleurs Fabien Harel qui vient aussi dans cette session-là, c'est la première fois qu'on a réuni autant de monde qui connaît bien son sujet. Hein. Franchement, la première fois que vous êtes là tous ensemble, hein, je te le dis. Et ça va être une conférence en plus, à la fois en physique et en Zoom en tout cas. Hein. Voilà. Merci Jean-Michel. Et toi, tu es un fidèle de ce Social Selling Forum. Tu viendras à Angers, je pense, hein, le 17 juin. Absolument. Voilà. Et tu viendras à Rennes le 28 ou le 29 septembre. Je ne sais plus si c'est 28 ou 29, parce que je n'ai pas le temps de. Hein, et Jean, oui. Voilà. Là, je vais te donner plus de temps encore, parce que là, je suis vraiment à côté. Essentiel de dynamiser cette région rennaise, il y a plein de choses à faire. Ok. Jean-Christian, pourquoi toi tu es venu à ce Social Selling Forum? Tu viens après-demain au Social Selling Forum Cholet? Alors déjà, c'est pour retrouver du présentiel en chair en os. C'est vrai qu'on a fait pas mal de versions en ligne, et là, ça va vraiment être le grand plaisir. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est justement de voir à quel endroit on va pouvoir placer les curseurs dans l'hybride entre le présentiel et le distanciel. Parce que c'est vrai qu'on a poussé très très loin les curseurs en distanciel avec les deux années qu'on vient de vivre. Et là aujourd'hui, je crois qu'on est mûr pour justement savoir comment se positionner. Alors c'est vrai des événements comme le Social Selling Forum, mais c'est vrai aussi évidemment de l'action commerciale, de la relation client, de toutes ces choses-là. Donc je pense qu'on va avoir une somme d'expérience absolument énorme sur cet événement-là, qui va être très enrichissant. Bon, quelles sont les trois choses que toi, tu as envie de partager spécialement par rapport à ta compétence réseau, puisque le bonheur est dans le réseau? J'ai envie de partager des choses concernant justement cet aspect hybride. En fait. C'est de voir à quel endroit on va pouvoir positionner ce qu'on fait à distance, ce qu'on fait en présentiel. Moi, je vois par exemple au niveau de la partie formation, par exemple, on a vraiment complètement repensé le séquençage de nos interventions, au niveau commercial aussi, donc voilà, ces choses-là. Ok, super. Ben, merci beaucoup de revenir d'ailleurs. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu effectivement en physique, hein, toi. Et ben, d'ailleurs, c'est pareil pour Fabrice. Fabrice, on s'est vu quand en physique la dernière fois, en chair et en os? Oula, en Angers ou Cholet d'ailleurs. Deux ans et demi, au moins, je pense. Ah, ouais, voilà. Donc, bon, ben, je te ferai comme ça, hein, d'accord, ou comme ça, quand même, hein, voilà, hein, l'un des deux. Puis il y a Pascal qui arrive, donc on va pouvoir lui demander à lui. Et alors, toi, tu as envie de partager quoi ce jour-là? Pourquoi tu es avec nous avec passion? Et d'ailleurs, tu co-organises ce forum, hein, donc voilà. Tu parles de moi là? Oui, Fabrice, oui, avant de parler de. Je viens, comme l'a dit Jean-Christian, moi, c'est retrouver en fait du lien et revoir des personnes, dont toi, Loïc, et puis d'autres personnes que je n'ai pas vues depuis très très longtemps, ça me tient à cœur, ça me fait plaisir. Je serai là de bonne heure à l'accueil, comme tu le sais, j'aime bien être là et mettre la main à la pâte pour aider à accueillir les personnes, ça c'est important pour moi. Je vais faire aussi un quiz. Donc, jeudi, pour les personnes qui seront là présentes en présentiel, mais aussi en distanciel, je ferai un quiz digital Klaxoon avec 13 questions à répondre sur Klaxoon avec rien à télécharger. 13 questions parce qu'on est le 13 et que c'est très intéressant et qu'il va falloir que les gens soient très inspirés. Et il y aura une récompense pour les trois premiers. Donc, les trois
trois premiers auront, comme on l'a fait pour les éditions précédentes, un lot qui sera offert généreusement par un des praticiens ou des praticiennes ou des panélistes, qui pourrait être, je sais pas, un bouquin offert par Loïc Simon. Je sais qu'il a plein de bandes dessinées, qu'il a plein de bouquins, voilà. J'en ai emporté un, j'en ai emporté un lot. Et ben voilà, donc ça pourrait être ça, ça pourra être une session en ligne avec un formateur ou une formatrice qui sera ici. Donc ça, c'est, voilà, c'est le côté un petit peu dynamique qui sera fun, qui sera accessible, je le dis encore une fois, à la fois en distanciel et en présentiel. Et les trois raisons pour lesquelles je viens, c'est pour déclarer et imposer, et c'est la période, ce que j'appelle sa CSG. Donc CSG, c'est-à-dire, je vais parler en fait de créativité, comment on peut être créatif et faire preuve de créativité sur les réseaux sociaux. Et c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut être créatif. Le S de CSG, c'est sa singularité. Et ça, je pense qu'en fait, il y aura... j'ai oublié son prénom. Mon Dieu, comment elle s'appelle, qui va parler de la différence. Ah non, c'est notre amie Géraldine Granier. C'est elle, c'est voilà, elle. Voilà, donc j'assisterai aussi avec elle. Parce que ça, c'est un sujet qui me plaît. Donc la différence que j'appelle sa singularité. Et puis le troisième, alors ça, c'est pour toi aussi. Le G, c'est là. Qu'est-ce que le G de la CSG, à ton avis, Loïc? La gueule? Non, la. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Imposer sa générosité. Voilà, être généreux envers les gens. Donc voilà, créativité, singularité et générosité donnée aux autres. Et je pense que ça, c'est trois points clés pour la prise de contact et pour favoriser en fait la confiance sur les réseaux sociaux. Ok. Je pense que voilà, la générosité, c'est important. Bon, et je vais redemander à Jean-Michel de nous donner le début de son intervention tout à l'heure, parce qu'entre-temps, j'ai eu un flash, et dans mon flash, j'ai commencé à enregistrer ce qu'on se raconte, de manière à pouvoir le poster quand même demain, tu vois, puisque ça va être, à mon avis, sketchy en termes de streaming, ce qu'on est en train de se dire. Alors, Jean-Michel, redonne-nous le début de ce que tu voulais nous dire tout au début, parce que je t'ai pris au milieu, toi. Selling Forum, c'est vraiment un grand plaisir parce que finalement, c'est effectivement un lieu où les personnes se retrouvent pour partager leur expertise, leur savoir-faire et le vrai tel qu'ils sont vraiment sur les réseaux et qu'on se complète dans le monde réel. Et donc, par exemple, il y aura un atelier avec Delphine Pommier sur Insta. Comment finalement compléter ce qu'on publie sur Insta par rapport à LinkedIn, par rapport à créer du lien. Donc, voilà, c'est un exemple. Et puis, il y aura, je crois, un atelier organisé, je crois, aussi par Pascal sur la façon dont on sort de l'emploi classique et on est dans l'entrepreneuriat, comment on travaille en réseau, comment on crée du lien entre nous, comment on crée des écosystèmes, comment on propulse aussi des idées. Et ça, c'est quand même formidable d'être ensemble dans ce lieu physique et en même temps pouvoir, grâce à toi, Loïc, à la nouvelle technologie, quand même, du streaming que tu as mis en place durant ces deux dernières années, vraiment nous apporter au-delà de Cholet, qui est une zone vraiment très dynamique et entrepreneuriale, vers la France, et ça c'est cool, à d'autres endroits en France. Ok, merci. Alors, puisque Pascal vient de nous rejoindre et que je le vois demain matin à 11h d'ailleurs à Cholet pour préparer la mise en place, parce que je vous signale quand même, pour ceux qui s'intéressent à l'hybride, notamment Jean-Michel, hein, Jean-Christian, Jean-Michel aussi, mais que c'est beaucoup plus compliqué un événement hybride qu'un événement en ligne ou qu'un événement physique. Événement physique, c'est facile aujourd'hui. Moi, fingers in the nose, hein, quand j'en ai fait plus d'une soixantaine des événements physiques comme ça, donc bon, événement complètement en ligne maintenant, fingers in the je ne sais pas quoi, mais le côté hybride, c'est une installation. Et puis en plus, il faut qu'Internet fonctionne, contrairement à ce qui se passe ici, vous voyez, donc... Et ce n'est pas obligatoirement 100% évident, d'ailleurs, à la CCI de Cholet. On a un peu... Et demain, on va faire tous les tests aussi. On refera d'ailleurs une session tous les deux, hein, mon ami Pascal, demain en streaming pour bien tester que ça fonctionne. Parce que là où je suis, c'est ma maison du Golfe du Morbihan. C'est de la DSL qui ne fonctionne pas. Ou alors, c'est ma 4G là, que j'ai, mais à mon avis, ce n'est pas bon. Hein. Ça marche quand même avec Zoom. Hein. On voit bien que le Zoom, vous m'entendez correctement, si j'ai bien compris, hein. Donc ça, c'est super, ça me fait plaisir. Alors, justement, toi, mon ami Pascal, pourquoi tu as voulu faire pour la cinquième fois un Social Selling Forum Cholet, la troisième fois en chair et en os? Eh bien, moi je débute. Bonjour à tous. Là, j'ai du mal à trouver le lien.
Donc c'est un truc de dingue, j'ai cherché. Et c'est pas le même lien pour c'est pas le même lien pour mercredi, hein. Mercredi, c'est le lien du Social Selling Forum. Aujourd'hui, c'est le lien de coup de zoom, hein, je te signale. C'est toujours le même depuis un an. Hein. Ouais, bah exactement, mais j'avais du mal à le trouver. Bah, d'une part, c'est vrai que bonjour à tous, bah, c'est clair que bah, là, ça va permettre de se revoir. Donc je pense que là, ça va être aussi très intéressant. Parce que, bah, quand il n'y a rien, moi j'aime bien organiser les choses. Je me rappelle quand j'avais rencontré Loïc il y a 5 ans, je lui ai dit, écoute, ce serait bien que tu viennes à Cholet. Il m'a dit, quoi, Cholet, c'est où? Tu crois que ça va? Je lui ai dit, ouais, Loïc, allez bien. T'inquiète, on va faire ça avec des copains, là. Nico, Fabrice, et puis ensuite il est venu faire la deuxième session, et c'est vrai que c'est assez dynamique en plus sur Cholet. Donc vous avez pu voir la vidéo avec Jean-Baptiste Grémy, quand j'avais expliqué le Social Selling Forum la première fois, bah, il m'avait rebuté parce que, un, je n'étais pas capable d'expliquer clairement, et puis deux, c'était un terme assez barbare pour faire le lien entre et le physique et le digital. Et là, dans sa vidéo, il dit les bras ouverts qu'il bah, accueille avec grand plaisir cet événement parce qu'il a bien compris l'intérêt. Et même à la CCI, aujourd'hui, il vient d'ouvrir un compte TikTok, donc pour montrer que bah, l'intérêt de la communication, et c'est vrai qu'on n'est pas né dedans, on a besoin d'apprendre à connaître, notamment savoir comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux dans la vie de tous les jours. Donc ce sera avec grand plaisir. Et j'ai pu récupérer... J'ai pu récupérer les programmes, ça y est, je les ai, etc. Merci à Printalia, notre partenaire, qui, voilà, je suis allé les chercher tout à l'heure. Donc, voilà, donc, tout est prêt de ce côté-là. Donc, merci à Printalia, merci à l'ensemble des partenaires, le Café DMB Ford, notamment Cholet Sport, enfin bref, avec l'ensemble des autres partenaires, qui, sans eux, eh bien, nous n'aurions pas ce Social Selling Forum. Donc, c'est avec grand plaisir, en plus, Jean-Christian sera là, invité de dernière minute, mais tu es bien là, Jean-Christian, donc la vie est belle. Salut Jean-Michel, on aura l'occasion d'échanger, notamment demain, enfin après-demain, pardon. Et voilà. Bon, et ben, et tiens, on a un invité là, Cédric, qui ne va pas venir à Cholet d'ailleurs, lui. Hé hey, Cédric, tu ne viens pas à Cholet, toi, physiquement, après-demain, si tu vois un de tes clients pour leur vendre des sièges après-demain à Cholet, c'est ça? Oui, alors ça marche très bien sur Zoom et il va y avoir vraiment des sessions sur la vente absolument fantastiques, hein, notamment à 13h30 avec la keynote de nos amis Yann et Yves. Il faudra venir sur Zoom parce que là, tu es sûr que ça marchera. Hein. En streaming, on verra, mais en tout cas sur Zoom, ça marchera. La preuve, ça marche très bien, même encore une fois dans le golfe du Morbihan avec un ADSL complètement pourri. Hein. Ou alors avec la 4G à moyenne. Mais ça marche moins bien en streaming. Donc, tu seras avec nous. Viens, effectivement, connecte-toi. Hein, si tu es déjà venu à un Social Selling Forum en ligne dans les deux derniers, c'est le même lien Zoom, en fait. Hein. Voilà, c'est facile. C'est SSF Zoom, ça s'appelle. C'est bit.ly/SSF Zoom pour s'inscrire ou pour rejoindre quand on ne sait plus. Ben merci beaucoup Cédric. Pourquoi tu es venu ce soir d'ailleurs? Parce que c'est une avance. Tu viens le lundi soir comme ça? Ben écoute, j'étais par hasard à la maison. Je viens de terminer le visio et je vois Loïc sur LinkedIn. Je dis, oh, ben alors allons-y. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais on y va. Ah, ça a marché. Au moins la notification a fonctionné. Même si le streaming est merdique, au moins la notification a fonctionné. Vous voyez, donc ça vaut la peine de faire des streamings, même quand on est dans la merde la plus complète, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, en plus, j'avais du retard parce que j'étais en train de voir avec un artisan devis pour ma maison ici. Il était en retard lui-même. Enfin bon, j'ai même pas mis de lumière. Voyez, j'ai pas de lumière. Le son était merdique. J'avais rien préparé du tout. J'avais pas le temps. Et pourtant, l'habitude, vous voyez, fait que on arrive quand même avec des automatismes à s'en sortir, même si je suis vraiment tout noir et puis avec mon... s'adapte. Mais c'est vrai que bon, il faut qu'on puisse à notre audience leur amener toujours de la valeur et c'est vrai que parfois il faut quand même un peu projeter un peu avant. Bon, heureusement d'ailleurs, hey, Fabrice, heureusement que tu étais là et que tu m'as appelé tout à l'heure à 6h02, hein, parce que j'étais en retard. D'habitude je suis en avance, j'étais avec l'artisan,
Parce que sinon, j'étais parti avec du principe qu'il n'y aurait personne, tu vois, et que personne ne viendrait. Parce que je n'ai pas eu le temps de faire la pub, je n'ai pas eu le temps de faire la promo, ni aujourd'hui, ni hier. Et vous voyez, vous êtes quand même. Il y a quand même un vrai client, entre guillemets, qui est Cédric, qui n'est même pas un intervenant demain. Super, Cédric. Merci, merci. Et j'enregistre ça, d'ailleurs, parce que je verrai si j'ai le temps ce soir, je verrai si je peux quand même le pousser sur LinkedIn. L'enregistrement, ça ne mange pas de pain, de toute façon. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit quoi? Pascal, on dit aux gens, qu'est-ce qu'on leur dit aux gens qui vont regarder cette super vidéo de. Qui viennent nombreux, on les accueille, puisqu'ils seront accueillis par notre ami Fabrice avec son sourire légendaire. Donc là, dès 8h, voilà, à Heure Espace CCI. Et on va passer vraiment une formidable journée, puisque je crois qu'il y a encore des nouveaux inscrits. Là, j'ai des gens qui m'ont contacté. Donc ben voilà, ça continue de s'inscrire. On sait que la dernière minute est toujours la meilleure, mais. Bon, allez-y quand même, hein. Il y a besoin d'avoir une organisation, notamment pour le repas du midi. Ça paraît tout bête, une personne, mais quand il y en a 15 ou 20, eh bien, il faut que l'on puisse quand même anticiper. Et donc, ça, c'est hyper important, mais vous allez en avoir pour votre argent, ça, bien évidemment. Et puis, n'hésitez pas à nous demander le code. Allez, hein, je pense que tous les participants qui sont là ont peut-être un code. Donc, Le code invité, invité. Le code invité, invité. Alors, si vous ne comprenez pas, vous êtes vraiment des poissons rouges, hein, parce que Fabrice, il nous a fait un super jeu de mots là-dessus. Le code invité, invité. C'était quoi l'extrait vidéo? Rappelle-nous. Le code, c'est le code. Hein, ou c'est juste le blanc. C'est juste le blanc. Bon, le code invité, invité. Vous êtes nos invités si vous. Comprenez, voilà, le code invité, invité. Bon, il n'y aura personne qui va regarder cette vidéo parce qu'elle est un peu longue maintenant. Et puis Jean-Michel, il devait partir, donc il faut qu'on arrête, hein, avant la fin. D'habitude, on arrête à 19h, mais là, j'avais une dernière chose que. Quelqu'un voulait dire une dernière chose, là, avant qu'on finisse? Non? Bon, ben moi, je voulais dire que je remercie Thierry Coulemain, je remercie Fabrice Pommier, je remercie Nicolas Froment et bien sûr, je remercie l'initiateur Pascal Obro parce qu'en plus, comme c'est un forum hybride, moi je vais être derrière les manettes de l'hybride et donc on a vraiment besoin qu'un Fabrice et d'autres aiment les clients comme on le fait d'habitude et les servent avec beaucoup d'amour, quoi, hein, quand ils vont Voilà, venir. Voilà. On arrive avec. Super, mais et soyez à l'heure quand même, hein, parce que. Levez-vous tôt. Hein. On se lève à 5 heures pour être chez toi à l'heure. C'est vrai? Mais moi, je me lève aussi à 5 heures, mais je partirai peut-être je partirai vers 7 heures ou 6 heures et demie. Hein. Je pense que je partirai vers 6 heures, 6 heures et demie pour pouvoir aller Qu'est-ce qu'on a dit? Leclerc, hein, c'est ça, Pascal, avant qu'on se voit à 11 heures là-bas, il faut que je passe acheter les bananes, etc., et les gâteaux, enfin, tous ces trucs-là. Voilà, et Pascal, lui, va commander les sandwichs demain matin. Hein, je t'envoie la quantité ce soir, Pascal. Voilà, il y en aura assez d'ailleurs pour que vous en mangiez le soir, Jean-Michel, quand tu repartiras. Vous aurez le deuxième sandwich, à mon avis, tu vois. J'en prends un peu plus exprès pour ça. Ah ouais, ben d'accord, donc j'en prends un peu plus. Ok, bon, ben écoutez, messieurs, dames, il n'y a pas beaucoup de dames d'ailleurs ici, et je dis messieurs, dames, mais où est Justine, où sont les femmes? Non, mais là, il n'y a que des OK boomers, là, j'ai l'impression. On va faire fuir les jeunes, là, encore une fois. Tu vois, merde, et pourtant, il y a les jeunes étudiants qui pourraient venir. Ils ne vont pas venir parce qu'ils vont voir que c'est que des. Ah, combien il y en a qui sont chauves? Il y a moi. Et moi, je suis ici, il y en a pas. Toi, tu es jeune, Jean-Michel. Tu es le jeune de la. On va dire. Ouais, c'est ça. Bon, mais écoute, merci. Merci beaucoup. Vous avez. Quel est le jeune grand-père? Et moi, je On est suis. né, ça fait 6 mois, on est né à son petit il y a 6 mois. Et ben moi, j'attends que mon fils et ma fille ils fassent quelque chose, quoi. Là, on a acheté une maison pour qu'il de vacances et de famille pour qu'ils puissent venir là, à Saint-Gilda-de-Ruiz, dans le golfe. Hein? Oui, ben, vous êtes les bienvenus. Alors là, je ne peux pas vous montrer tout parce que je n'ai pas l'équipement, mais c'est très sympa en fait. Et puis il fait un temps magnifique depuis.
J'ai pris la route samedi, certains d'entre vous l'ont vu, Fabrice, tu l'as vu, là, j'ai pris la route, c'était magnifique. La route de Paris à 5h du matin pour arriver ici avant 10h, c'était fantastique. En écoutant un livre sur la collapsologie, comment survivre à la fin du monde, en fait, c'est ça, en fait, hein, le livre que j'écoute en ce moment, que j'ai terminé d'écouter d'ailleurs, de Servigne. Bon, bref, mais c'était super. Et puis j'ai fait des selfies, tout ça. Faut que tu partes. Allez, salut, moi aussi, je vais arrêter parce que je vais aller manger une. Je crois que je vais prendre une crêpe ce soir. Hier, c'était Pizza Ruisse, les meilleures pizzas de la région. Salut tout le monde, bye bye, on vous quitte et j'arrête l'enregistrement. Merci Pascal, à demain, merci, merci. Allez hop, j'arrête tout. Pascal, ouais. On s'appelle. Allez, salut, bye. J'arrête le streaming. Hein.